Jeudi 21 octobre 2021, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans la quatrième édition de Clairvaux pour semaine blanche. Nous avons nos principales informations qui prennent essentiel pour le journal. Divers chauffeurs taxi moto dans la région métropolitaine Port-au-Prince va poursuivre jeudi 21 octobre 2021 avec mouvement protestation lancé depuis plusieurs jours à travers diverses zones dans la région métropolitaine Port-au-Prince contre gaz qui parle sur le marché national. Protestataires qui fait qu'on n'est pas capable de jouer un gaz acheté dans le pays et profiter de ces barricades à donner capture. L'Union nationale normalien haïtien a dénoncé ensemble dirigeant en tête de l'État. Il a dit qu'il a servi à problème d'insécurité pour satisfaire pouvoir personnel. C'est le directeur exécutif de l'Union nationale normalien haïtien, professeur Josué Mérilien. Le phénomène d'insécurité a empêché le bon fonctionnement de l'école dans différents quartiers à travers la zone métropolitaine. Présentation officielle journée jeudi 21 octobre 2021 à Pétionville, parti politique Alliance pour une fondation Nation. Dans le discours circonstance, le président Alliance pour une fondation Nation, pour un sens sincère, invite tout petit pays à pour mettre ensemble avec nouveau district ça qui vient pour mission libérer le pays d'Haïti. Divers chauffeurs taxi moto dans la région métropolitaine Port-au-Prince va poursuivre jeudi 21 octobre 2021 avec mouvement protestation contre gaz qui pas gagné sur marché national là. Dans l'occasion, protestataires ont boulé caoutchouc et dressé barricades dans diverses zones dans la région métropolitaine là, dans Delma, Pétionville et Boudon, une situation qui a créé panique dans diverses zones côté circulation et activité commerciale ont été paralysées. Téléclair, t'es sous place, en dessous. Politique ça m'appelle. Nous même nous campé derrière nous même tout en bas une gaz, nous va laisser mouvement ça nous même. Ah nous n'a pas ce dans baio là. Bah gaz là cher la vie cher pour nous tout. Parce que 1000 gouttes n'a pas chez gallon gaz, nous pas travailler, nous pas joindre monde pour nous porter. On nous demande de avocat international a critiqué mode gouvernance Manfoubin. Il dit gouvernement Ariel Henry a pratiqué dans le pays d'Haïti. Côté selon directeur exécutif BAIA, M. Mario Joseph,
constat a montré à clair que le gouvernement n'a pas pris en considération aucune revendication de la population avec différents dérives qu'a fait dans la société. Dans le sens de Mario Joseph invité la population à continuer à mobiliser pour y faire respecter les droits citoyens dans tout domaine dans le pays, pour être campé pour porter changement il a cherché depuis longtemps. M. Mario Joseph, c'est directeur exécutif du bureau avocat international qui était dans le micro Galensly avec Jean-Sony Lemar. Gouvernement de facto Ariel Henry n'a pas pris aucune mesure pour sécuriser la population en face à gang armé toute qualité qui a théorisé, kidnappé, assassiné, violé, volé, fait pillage et la trier. Qui donc, question insécurité, qui c'est principale préoccupation société, pas une priorité pour le gouvernement de facto Ariel Henry. BAI constate, gouvernement de facto Ariel Henry n'a pas fait rien pour résoudre quelques petits problèmes urgents qui ont de grosses conséquences sur la situation socio-économique du pays. BAI constate que le pouvoir de facto Ariel Henry a une bonne préoccupation qui n'a pas rien pour avec besoin de la société. Dans le contexte actuel, tant que l'élection, Fomamit, avec le référendum, derrière dos, maman loi pays. Dans l'idée pour rappeler le gouvernement de facto Ariel Henry, vraie revendication peuple haïtien, qui c'est question insécurité, avec un accord politique, largement large, pour une transition coupée fâchée. Mais il constate après des journées de grève, la population continue à mobiliser. Nous avons chauffeur moto mobilisé pour tout droit yo gagner. Droit qui c'est droit moun. Droit moun pour vivre. Droit pour moun gen de l'eau pour yo boire. Faut que nous goumen tout pour lui. Droit pour gagner l'éducation, faut nous goumen pour lui. Droit pour nous gagner logement, faut nous goumen pour lui. Droit moun yo qui dans grand sud là qui pa gen kay pou rete, qui pas joué aucune solidarité l'État, c'est pour nous goumer pour ça. C'est pour nous continuer la bataille là, et faire sous toute forme. Faut que nous ne pas quitter aucun politicien rat de calé qui pas gain rien pour louer, qui gain raison personnelle yo détourner yo dans bataille là. C'est pour yo kembe goumer et mouvement peuple là pas doit gain date. Mouvement peuple là c'est couliera, il pas gain date là dedans. C'est couliera là pour peuple là tant même mouvement là. Nèg qui t'a marché chercher pas ka vinn bay date. Union nationale normalien haïtien yo fixé jeudi 21 octobre 2021 position yo face à situation chaotique pays d'Haïti. Yo dit qu'il y a gros conséquences sur l'éducation dans pays a. Secrétaire général Union nationale normalien haïtien yo professeur José Mérilien qui dénonçait ensemble dirigeant dans tête pays a, li dit qu'a servi à problème insécurité a pour ta satisfaire soif pouvoir yo. Fait qu'on est situation ça empêcher bon fonctionnement l'école yo dans différents quartiers à travers zone métropolitaine là. Dans sens ça professeur José Mérilien invité population pour lever camper pour forcer dirigeants ak alliés yo dans international là prendre responsabilité yo pour combattre insécurité ak kidnapping là sur territoire national là. Professeur José Mérilien c'est directeur exécutif Union nationale normalien haïtien yo qui était dans micro radio télé éclair. Victime insécurité
général ça gagne sous monde éducation. Comment il affecte et fonctionnement l'école yo à plusieurs niveaux dans plusieurs zones et mandé parents, élèves, étudiants, tout le monde les craper pour sortir dans sa nuit là. Et la dernière position, c'est pour nous demander, tout le monde en général, professeur, parents, étudiants, tout le monde en général, lever campé pour nous devenir présents dans la deuxième sit-in qu'a fait devant Gisèle, pour moi, Gisèle, prend même 6 points de casser pour le peuple là. Et pour demander, comment Gisèle, c'est pour nous dire, ce n'est pas le peuple là qui a quitté le service Gisèle, mauvais service. C'est le capable de quitter le pays, c'est le capable de ranger l'école ou le service dans le groupe peuple là. Et la obligation pour faire face, pour faire place à l'autre compagnie qui a fait le service, c'est le peuple là. Nous avons un pays qui vit une insécurité qui est encore gang dans la tête d'État, gang national, gang international, mais ensemble pour créer une situation malouque. Côté peuple là, t'as qu'à respirer. Nouveau situation intolérable, insécurité intolérable, inacceptable, qui choque les gens, qui énerve, qui indigne les gens. Et je dis, hein, par rapport à ce qui a passé là, peuple là, la guerre, deux bras balancés. La mesure où, les gens qui placent pour ta protéger contre gang, c'est eux-mêmes, avec appui international, gang. Qui mette gang, qui mette peuple là, dans sa yé là, je vous dis. Et sécurité ça a affecté le fonctionnement du monde éducatif là, à plusieurs niveaux. Nous avons dit que, je vous dis, dans pile zone, d'un coup, et trois circonscriptions, d'un coup, la saline, d'un coup, et côté lycée, la saline va fonctionner. Nous avons bel air, côté lycée Pétion, pas qu'à fonctionner dans le local. Côté lycée Daniel Fignolé, Nadelma 6, pas qu'à fonctionner. Nous gagnons quoi de bouquet, c'est les 4 semaines où vous l'école fonctionne. Donc, nous avons une situation insécurité, kidnapping, et kidnapping dans tout. Nous avons un professeur samedi dernier qui a kidnappé dans Abdi Christophe, tout est camo. C'est des gens qui sont dans le secteur éducatif, dans le niveau université. Yo kidnappel. L'autre information dans le journal la présentation officielle journal jeudi 21 octobre 2021 dans Pétionville, parti politique Alliance pour Refondation Nation qui gagne pour sigle ARN, un regroupement politique qui gagne la dans divers partis politiques, organisations sociales et socio-professionnelles, dans l'idée pour travailler dans le secteur politique là, dans objectif pour mettre ensemble énergie, compétences et expérience dans l'intérêt pays d'Haïti, dans tout domaine tant pour l'éducation, environnement pour nous citer ça seulement. Pour répondre à ensemble revendication société a dans discours circonstance président Alliance pour Refondation Nation on ça Saint-Cyr qui présentait un tableau sombre sur situation sociopolitique pays d'Haïti li dit qu'il rivait dans un niveau déplorable déclaré Haïti pas gain droit péri dans sens ça on ça Saint-Cyr invité toute petite Haïti yo mettez main ensemble avec parti Alliance pour Refondation Nation qui gain pour mission travail pour y libérer pays d'Haïti. On s'en Saint-Cyr, c'est président Alliance pour les Fondations Nation, qui était dans le micro, Galen Sui, avec Jean-Sony Lemay. Nous ne pouvons pas descendre plus bas encore. C'est vrai, Chalalou, nous sommes en pile. Mais c'est nous tous qui nous mettons ensemble pour nous porter. Combattons de tout bord. Vous êtes tous invités à vous mettre au chevet notre mère patrie Haïti, qui aujourd'hui, plus que jamais, a besoin de votre assistance et de votre support. Haïti pas péri, Haïti pas de ma péri, ARN pour le travail, pour un Haïti tout neuf. Vive Haïti, vive la Refondation d'Haïti.
Lancement officiel journée jeudi 21 octobre 2021 dans la commune d'Elma, croisade organisation haïtienne contre kidnapping et violence gang yo, qui regroupe diverses organisations dans la société civile là et dans la diaspora. Selon le président réseau protestant pour défense des droits de l'homme, pasteur Destiné Saint-Pierre, nouveau coalition sacrée dans l'objectif pour réunir, réfléchir et travailler pour forcer l'État haïtien. Protéger population haïtienne là, dans occasion pasteur Destiné Saint-Pierre dénoncer comportement autorité yo face à phénomène kidnapping là, il dit qu'il c'est un crime contre l'humanité. Pendant les déclarer, selon rapport centre analyse et recherche dans droit moun, il y a 119 cas kidnapping qui enregistré dans pays là, sorti premier pour arriver 18 octobre passé là. Président réseau protestant pour défense droit moun là, pasteur Destiné Saint-Pierre, tenant micro Mackinson registre avec Jean-Roberto Saint-Fort. La croisade des organisations haïtiennes contre le kidnapping et la violence des gangs, c'est une coalition d'organisations de la société civile haïtienne et de la diaspora qui prend naissance dans le mois septembre ça, suite à indifférence, silence, irresponsabilité autorité pays face à montée spectaculaire qu'à kidnapping et multiplication gang yo dans le pays. C'est une croisade d'organisation pour dire non à cette violence, à cette traite de personnes, à cette traite des Haïtiens qui ouais et aussi et tout le monde y a kidnappé, violé dans le pays ça. Personne pas dit rien. C'est pour nous réunir, réfléchir et travailler ensemble pour nous porter l'État ça qui a payé, qui a couru machine blindée, pour assumer responsabilité, yo, pour yo protéger la population haïtienne, peuple haïtien contre les barbares. Kounyeyan, croisade là, li constitué de près de une dizaine d'organisations de la société civile haïtienne qui engagent yo pour nous travailler ensemble par des stratégies pour atteindre l'objectif que croisade là lui fixé. Dans le rapport cadre mettez dehors qui gagne M. Gédéon Jean qui a dirigé, nous attendons de nous connaître sorti 1er octobre, arrivé dans 18 octobre, eh bien, nous enregistré déjà, ça nous connaît bien sûr, 119 cas de kidnapping. 119 cas de kidnapping, y compris 17 missionnaires et encore pasteur Ferrer qui encore nommé kidnappeur. Et nous tapons des réels, nous tapons des cris, famille ça, avec tout l'autre monde qui a été. Même rapport ça, il relate que de janvier à octobre 2021, le pays a enregistré plus de cas de kidnapping que toute l'année 2021 ensemble. Donc ça montre nous, chers amis, voilà que silence, autorité, yo, laxisme, autorité, yo, complicité, yo, jeune de tous côtés, fait que je dis, c'est une industrie qui a marché et je crois que Kounia a fait un pile progrès. Et clair une fois continuer pour nous dire coordonnateur rassemblement monde avec organisation pour sauvetage national là ingénieur Misle Février et secrétaire général adjoint Fédération d'Église pour Libération Haïti pasteur Frédéric Nozil fait qu'on est coalition organisation haïtienne contre kidnapping et violence gang yo pour travailler sur différents chantiers tant pour assister victimes kidnapping yo pour yo capable de une réparation sensibilisation population sur phénomène là et dénoncer cas kidnapping yo dans sens ça. Pasteur Misle Février et pasteur Frédéric Nozil lancent un appel pour notre organisation dans la société à mettre ensemble avec eux dans l'idée pour camper contre le phénomène d'insécurité et kidnapping dans le pays. Pasteur Misle Février et pasteur Frédéric Nozil, tenant micro Jean-Roberto Saint-Fort et Mackinson registre. Porter l'État haïtien à prendre responsabilité donc contre kidnapping et puis violence gang. Ça, c'est un élément clé lié pour nous. Et là, nous pas qu'à sortir de là. Deuxième objectif, c'est dresser contre tout cas ça, qui se soit yo fait, yo ta fait dans province ou bien yo fait dans capitale là, c'est pour nous camper en face yo, pour nous capable dénoncer yo et pour nous capable bailler réponse légale
à eux-mêmes. Troisième objectif, c'est défendre l'intérêt de la population contre tout criminel qui a fait des actes sous la population. Quatrième, c'est exiger réparation psychologique, financière et matérielle contre, alors en faveur toutes victimes et contre, n'est-ce pas vrai, tout élément, que ce soit il t'a sorti côté X ou bien Y, pour nous capables de permettre à ce que les victimes joignent. Ça aurait tout ça qui a un rapport avec réparation psychologique, n'est-ce pas vrai, financière et matérielle. Donc, je ne vais pas nous détailler, mais quand même, donc, puis devant dans la réponse, on va plus de détails. Et l'autre élément qui est le cinquième objectif là, c'est éduquer, motiver et sensibiliser la population hein, pour nous capables de permettre de défendre les droits, mais aussi pour nous capables de permettre de jouer un rôle en tant que citoyen pays. Et un objectif, c'est pour nous présenter l'organisation hein, à la population haïtienne hein, et à toute l'autre organisation qui a une chance d'entendre nous aujourd'hui hein, et présenter à la presse et à la public là, en général. Et aussi présenter l'objectif de l'organisation. Hein. Nous, là aussi, pour nous dénoncer tout acte de kidnapping qui a fait et pour nous exiger de l'État et des kidnappeurs la libération des victimes pour ne pas quitter les gens qui utilisent nous pour nous détruire propre frère nous accès nous pour nous détruire propre nous-mêmes encore. Et troisième bagaille pour nous demander l'État pour sortir dans le silence absolu ça, pour l'État assumer responsabilité pour être capable de protéger population hein, qui déjà a souffri en pile et puis encore a subi des actes de kidnapping, des actes de banditisme, des actes de destruction de vie. Donc, nous disons que dans Deutéronome chapitre 32, verset 30, la Bible a dit si yon chasse 1000, eh bien deux capables de chasser 10 000. Pour cela, nous avons fait appel à toute organisation religieuse, à toute organisation socio-professionnelle, à toute organisation syndicale, patronale, etc., pour être capable de joindre avec nous, pour nous renforcer la croisade, ça, pour nous capable de travailler ensemble pour la protection de notre population, pour la protection de nos frères et sœurs haïtiens, pour la protection de notre cher Haïti. Nous arrivons à un point pour nous mettre fin à la quatrième édition Éclair Nouveau pour ce même-là. Mais avant nous aller, nous rappelons qu'il y a un temps qui a dominé l'actualité. Divers chauffeurs taxi-moto dans la région métropolitaine Port-au-Prince va poursuivre le jeudi 21 octobre 2021 avec un mouvement de protestation lancé depuis plusieurs jours à travers diverses zones dans la région métropolitaine Port-au-Prince contre gaz qui paraît bien sur le marché national. Protestataires ayo qui fait qu'on n'est pas capable de jouer une gaz acheté dans le pays a et profiter de ces barricades à donner capture. L'Union nationale normalien haïtien a dénoncé ensemble dirigeant en tête de l'État, il dit qu'il a servi à problème d'insécurité pour satisfaire pouvoir personnel. C'est le directeur exécutif de l'Union nationale normalien haïtien, professeur Josué Mérilien. Le phénomène d'insécurité a empêché le bon fonctionnement de l'école dans différents quartiers à travers zone métropolitaine. Présentation officielle journée jeudi 21 octobre 2021 à Pétionville, parti politique Alliance pour une Fondation Nation. Dans le discours circonstance, le président Alliance pour une Fondation Nation, pour un sens sincère, invite tout petit pays à pour mettre ensemble avec nouveau perspective ça, qui vient pour mission libérer le pays d'Haïti. C'est point ça, à divers autres qui te fait essentiel le journal nous. Merci pour patience et fidélité qui t'es accordé à ta journal là. Nous t'es branché pour cette programmation télévision. Bonsoir tout le monde.